Avant que moi démarre l'émission, hein, quittez-moi vous un petit message pour compatriotes, moi, frères avec sœurs qui vivent là, la caille voisin. Permettez-moi ça, s'il vous plaît. Songez que je me dis non, je suis politique en Dominicanie de près. Je suis discours politicien dominicain de près. M'a suivre décision que gouvernement dominicain a prend de près. M'a suivre discours autorité dominicain yo de près. Raison un, c'est parce que chaque décision politique que autorité dominicain yo prend, premier sac que yo visé, yo est Haïti tout d'abord. Chaque décision politique que la République dominicaine prend, il y a une grosse répercussion sur la vie de chaque grand haïtien dans le pays d'Haïti. Pays a m'a dit nous ça, nation m'a dit nous ça. Dans le moment n'a parlé là, zam kap touye moun nan 400 maozo. Katouche kap touye moun nan 400 maozo. Katouche kap touye moun la kay Jeff nan Kanaran. Katouche kap touye moun nan la Tibonite nan Balatibonite lan nan Savien. Li soti exactement la République dominicaine. Et c'est des Guadeloupéens avec Haïtiens qui ont fait business là. Qui Haïtien? Oligarque corrompu Haïtien qui vivent en Dominicanie, qui ont fait business ZAM avec BAL en Dominicanie. Pays a doit comme ça. Acheter cartouche en Dominicanie, c'est militaire dominicain qui ont business ça avec voleurs, criminels, assassins, oligarques corrompu Haïtien. Et ne qui te député, qui te sénateur dans le pays d'Haïti. Gen ou nèg la n'ap travail souli d'arrache-pied. Les États-Unis d'Amérique déjà sanctionné. Nous si te nan drogue. Monsieur se ou nan qui vend en pile zam dans le pays. Se ou nan qui rentre en pile balle dans le pays. Parce que lui même, lui qui contrôle yon douane, nan bloc pal la, nan département pal la qui gen frontière. Kontenen pal li pa accepté pour douanier fouyel. Les gen groupe policier Idmopal Simopal qui pourra le prendre conteneur depuis sous frontière là pour personne pas toucher. Si vous tentez toucher conteneur là tous les vont guerre ensemble avec vous, li t'a plutôt bouler douane là au lieu que nous t'a fouer conteneur là. On a quitté sénateur, on a quitté député. Son qui c'est on a ici qui plus riche dans pays d'Haïti. On veut nous connaître ça. L'autre bagarre là c'est que oligarque corrompu qui pété courir, qu'al cacher la République dominicaine. Après l'assassinat de Jovenel Moïse, business qui a fait plus l'argent, là-dedans, c'est business ZAM dans le pays d'Haïti. Bon, dis-nous bien. Je dis là, Haïtien Fremsem qui est Dominicani. Qui t'aime pas nous petit message ça? Haïtien Fremsem qui vit dans le sol dominicain. Qui t'aime pas nous petit message ça? Si passeport ou un visa qui pas checké. Si vous avez le checker, vous avez le checker. Si vous avez le checker, vous avez le checker chaque mois. Jusqu'à ce que l'élection arrive en République dominicaine. Parce qu'en 2024, vous avez une élection ici. Vous avez une élection en République dominicaine, élection présidentielle. C'est qu'on a compris effectivement, dans fouiller, dans parler avec des gens qui comprennent la politique en Dominicani. Nous venons une idée effectivement des politiques en Dominicani. Depuis période élection pour arriver en Dominicani, politique dominicaine, politique tout politicien dominicain, campagne tout politicien dominicain, li repose sous dos haïtien, alors immigrant haïtien en Dominicani. C'est critique sur Haïti sans camper. Haïti son pays sale, Haïti pas un pays, Haïti son jungle, Haïti son pays qui pas qui comme si qui Haïti pas besoin de rien du tout. Yo doit couper tout pont avec le pays d'Haïti. Et yo doit faire tout ça que yo connaît pour pas qu'il y ait un Haïtien en Dominicanie. Parce que tout Haïtien représente une menace pour la République dominicaine. C'est discours chaque politicien dominicain, ni exactement président dominicain qui est Luis Abinadel. Il n'y a pas un secret pour personne. C'est à cause de ma demande, docteur Claude Joseph, font-il pencher sur la situation haïtienne qui vit en Dominicanie dans le moment où on a parlé là. C'est extrêmement compliqué. Hier, c'est grave.
suis pas capable, l'image ça n'est pas vraiment important pour moi mal mettre au sous écran parce que je dis en pile. Dominicain, il y a un côté, il y a un gros râle, il y a un gros vieux caille qui couvre en tol. Il met les haïtiens. Soif de l'eau touye yo, yo son ciment. Y a fait n'importe 15 jours fait mon côté. Tout le temps dominicain pas joindre. Yo quantité haïtien pour le plein 20 à 30 camions. Tout haïtien qui en dedans après t'a souffri gangoula, a souffri soif de l'eau là, chalet a pété fiel yo et gon chalet là en Dominicani, son bagage extrêmement compliqué. Mais c'est là où fait mes haïtiens yo. Haïtien regarde on Guadeloupe dominicain dans yeux, dans visage, dans yeux. Les gars qui ont un bout de bâton, foutent un coup de bâton dans la tête, ils font une tête. Ils ne pensent pas. Ça ne va pas m'aider du tout. C'est impunité totale. Droit de l'homme pas respecté. Pas qu'il n'y a rien qui a fait du tout. C'est crime contre l'humanité qui a fait sur Haïtien en Dominicanie. Je demande docteur Claude Joseph, comme c'est vous-même, voix ou toujours arrivé bien loin, comme vous avez défendu Haïtien en Dominicanie, moi lance. La police nationale prend grosse disposition pour mettre sécurité dans le pays. Nous avons coqué une chaîne mariage, population avec la police fait. Nous avons lancé opération Bois-Calais Wash Maman. Gaillé Kaka Bandi. Message ça pour vous et en plus m'après l'autre tout, ok, parce que faut que dion bagay, faut que au moins pencher sur ça parce que ça Binadel a fait haïtien en Dominicain, n'a mis parlé là l'inacceptable et m'a dit tout quelque part haïtien yo
faut nous apprendre à comporter nous comme monde tout dans pays monde parce que nous pas la caille non gon j'ai pour nous comporter non c'est pas venir loter mango venir loter bagaille sous tout trois monde on fait immigration maltraité ou mais m'a dit nous ça très bien faut que chaque grand haïtien garde chaque grand politicien chaque jour garde photo politicien yo pour dire tout clairement si c'est pas politicien haïtien qui te choisi faire politique pour détruire masse là faire politique en faveur une minorité qui c'est syrien libanais palestinien pour détruire pays là la République dominicaine c'est ta dernier côté que tu as choisi pour aller et m'a dit nous ça la République dominicaine c'est dernier pays que haïtien accepté pour y aller vivre son choix forcé 99% haïtien yo pas remé la République dominicaine parce que tempérament dominicain par rapport avec massacre qui te fait en dominicain soit haïtien haïtien pas jamais accepté comme si fait choix de la République dominicaine comme si n'a son choix qui existe son choix qui fait facile non la République dominicaine c'est dernier option yo nous sommes même bouté avec yo yo bon côté nous et mais gang a kidnappé nous y a touyé nous et mais peuple a fait choix de immigration maltraité yo yo fait choix de immigration maltraité yo. La République dominicaine employé yon quantité jeunes garçons qui pa gen pièce formation qui c'est des racistes yo attendez bien oui yo fouye yon dans immigration ba yon motocyclette avec une jaquette qui marqué bagay qui gen logo ba immigration a courir des haïtiens dans tout raccoin casser ka haïtiens volo bagay yo volo bou haïtiens volo téléphone ou fait toute qualité sa quand tout et puis casser tête tout ou pa gen côté ou capable porter plainte pa gen recours droits humains pas parler de ça doit de l'homme pas respecté en Dominicane. M'a dit tout haïtien qui vit en Dominicane fait très attention dans moment parce que situation l'a augmenté parce que yo dit comme ça que chaque élection pour arriver en Dominicane politique gouvernement c'est sous dos immigrés haïtiens qu'il trouvait et l'autre candidat qui en face lui c'est fait politique et sous dos haïtien yo parce que c'est comme ça yo fait politique pas gagner qui au cap parler mais c'est sous dos haïtien effectivement voilà peuple haïtien. Nous pourrons parler de dossier assassinat Jovenel Moïse, je ne j'ai dit. M'a dit nous que si Joseph Michel Martelly pas accepté pour que Martelly pas accepté pour que tout y est président pays a qui c'est Jovenel Moïse pas tap mourir. Oui, il était capable mourir parce que c'est moun n'a mourir quand même. Mais nos conditions pareilles, en train de la caille, toute sécurité. Un groupe nèg armé rentre dans kay la. Madame nan, Marie a pensé c'est nèg qui dans la cour. Pourtant, c'est commando ay passé al fizier président, al fizier madame nan. Jovenel Moïse mouri parce que après 2 années au pouvoir, li pa t'accepté pour te prendre l'ordre de Matel Jean Matel te commencé ba l'île dans 2 premières années yo. Jovenel Moïse mouri parce que Jovenel Moïse pa vle obéi avec Matel à 100% encore. Jovenel Moïse mourit parce que Jovenel Moïse pas accepté pour te faire tout ça que Matéli mandé. Jovenel Moïse mourit parce que Matéli pas remé Jean-Jovenel Matéli pas accepté Jean-Jovenel t'a mené bac pays l'aime du bac pays comme si gouverner comme si il pas prend dicté dans mais encore. Jovenel Moïse assassiné parce que tout simplement Jovenel Moïse pas accepté pour te rentrer dans logique fait il passe coûte ba Joseph Michel Matéli. Jovenel Moïse assassiné parce que li te fait discours, il dit pas de type à scout. On moun se élection. Peuple a bail pouvoir parce que Jovenel Moïse te constaté dans qui ne volte pas ses misères pendant 22 mois de campagne jusqu'à ce que te jeune bénédiction peuple là. Jovenel Moïse assassiné parce que Matéli te gen des moun bon côté qui dit que Jovenel Moïse gon liste que l'a préparé pour arrêter quantité moun bon côté. Jovenel Moïse assassiné parce que Jovenel Moïse te vin konnen que Dimitri Erard nan trafic zam nan palais national et que justement américain les États-Unis d'Amérique relé Jovenel Moïse yo di Jovenel Moïse ou gen yon nèg nan palais k'ap fè trafic zam gen yon commande zam que palais national fait ou te bay l'autre pour te fait États-Unis d'Amérique monsieur fèl nan l'autre pays zam sa sorti Colombie li rentre en Haïti et quantité zam kote commandé a li te 200 Galil et ben nèg yo commandé plus passé 500 Zam sa yo commandé sous nos palais national. Jovenel Moïse saisi. Les États-Unis ont dit président Jovenel Moïse n'a pas saisi de dossier. Jovenel Moïse dit depuis nous avons preuve, nous met agi. Jovenel Moïse mourit pour ça. Qui est-ce qui fait
Dimitri Era et Matéli Konsa. C'est chauffeur machine Jovenel Moïse là. C'est nek dans chez chauffeur et sécurité rapproché qui dans machine avec Jovenel Moïse là. Jovenel Moïse était complètement piégé parce que c'est tout nek qui était autour de Lio qui c'est Jovenel Matéli qui livrait qui bail tout qui m'a dit tout ça que Jovenel Moïse a parlé dans téléphone. Ambassade américaine relé Jovenel nek yo au courant yo dit Matéli. Département d'État relé Jovenel Moïse Jovenel Moïse en machine, nan yo di Matéli met tout ça qui que président a discuté. Président Jovenel Moïse te prend au pétrin. Il était quoi dans Matéli en pile. Il était connait malgré Matéli a joué a dit bêtise, mais connait Matéli gon limite que pas jamais franchi. Qui c'est limite assassiner président. Et bien Matéli comme nèg qui vienne à court avec richesse li, à court avec pouvoir politique, li besoin prend pouvoir à tout prix. Parce qu'il était supposé gagner pouvoir en 2022. Li wè que Jovenel Moïse pral faire élection.